Ou ben, je vous dis ce que je fallait juste arranger. Bien. Mais j'avais juste peur que ça va le coup. Ben là, j'espère que ça comprend pas mon. Alors, oui, ben bon! Sinon, pour un jeu tellement glauque, et j'adore beaucoup ce jeu-là, c'est tellement le fun. Très dur aussi à jouer, puis à. Vous avez entendu tantôt Resident Evil Biohazard, le 7e. Et oui, avec la famille détraquée des Baker, Marguerite, puis Jack, puis son fils Lucas et sa fille Zoé. Puis en tout cas, je suis très 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 content de faire ce direct-là. Oui, comme je vous dis, hein, encore le début, ça va encore bugger pour les 30 secondes à venir. Et ben aussi, hein, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de mettre un pouce bleu. Ça va faire plaisir. Alors, on commençait ça, hein, Resident Evil. Et si vous avez le contenu extra, là, ça, faut je les achète. Parce que celle-là, il y a comme la fin de Zoé. Que celle-là, quelques semaines après, pour un héros, un nouveau danger fait son apparition. Joe Baker, le frère de Jack, doit faire face à ce danger avec ses poings et mettre un terme à la souffrance de sa famille. Pour un héros, ça c'est quand on incarne Chris Redfield. Puis que là-dedans, là on peut tuer Lucas. Parce qu'on tue pas Lucas dans la première partie avec son père et sa mère. et ici la vidéo interdite qui est 4 jeux. Puis aussi une histoire avec Zoé. Comme celle-là, vous battez des créatures. L'autre, que vous êtes dans une chambre. Je pense que c'était un gars qui s'appelle André, ou aussi Clancy, qui est pris dans un lit. Puis il faut qu'il mange ce que Margaret a donné. Mais c'est parce que faut pas qu'il mange, parce que c'est comme dégueulasse. Faut qu'il sorte de là. Mais faut pas que vous fassiez pogner. Ça, après ça, il y a aussi faire manger Jack avec des nourritures, puis le faire boire, puis ouais, c'est des pas pires contenus. Vous avez autre aussi. On va aller dans l'option. Bon. Vibration. Oui, ça j'en veux. La vibration, j'aime ça. Quand je joue avec ma manette, là, d'avoir la vibration dans la manette, là, c'est le fun. Ça c'est. Ok, ça c'est. Avec celle de la caméra. Ça c'est correct. Ça aussi. Affichage. Ça c'est correct. Luminosité était correct. Ça, vous voyez, c'est ça le mode VR. Mode VR, c'est avec un casque de vérité. Non, virtualité réelle. Audio. On va enlever la musique, juste avoir les voix puis les effets sonores. Ça, c'est encore plus cool. Ça c'est bon. La langue correcte aussi. Par défaut, bon, ok.
Une nouvelle partie. On va faire ça facile. Là, ouais, c'est avec l'histoire où le début, je parlerai pas là. Salut chérie. Je voulais juste te faire un petit coucou et te dire que je t'aime. Oh, bonne nouvelle. Je vais bientôt rentrer à la maison. Oui. Oh. J'ai hâte de rentrer, de finir ce travail de babysitting et de retrouver mon mari adoré. Tu me manques. Oh, faut que je retourne travailler. Je t'aime, Ethan. Tu me manques tellement. Je t'embrasse très très fort. À très vite. Ethan, tu avais raison. Je t'ai menti. Je n'aurais pas dû, mais... Tout ce que je peux dire, c'est que si tu as ceci, reste à l'écart. Allô? Salut, c'est Ethan. Ouais. Ouais, je sais, ça va. Ça va. C'est Mia. Elle est pas morte. Elle est vivante. Elle est de retour. On l'a retrouvée? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Écoute, je sais pas comment. Mais elle est revenue d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être des conneries, mais... Elle veut que je vienne la chercher. Elle est où? Delvie. Delvie en Louisiane. Mec, ça fait 3 ans... Je sais, mais si c'était bien elle... Je vais en avoir le cœur net. Bon, mais pour toute chose, vous voulez savoir c'était qui Mia. Mais Mia, c'est la femme à Ethan. Et pourquoi qu'elle a fait une vidéo, mais c'est, elle s'est retrouvée dans un navire qui a coulé. Puis, il y a eu des ravages, des démembrements. Mais non, des ça a mal tourné pour elle, parce que, en fait, il y a une petite fille là-dedans. Au début c'est une grand-mère là, mais après ça on la voit en petite fille plus tard, mais c'est parce qu'elle a comme un genre de substance dégueulasse qui a comme l'a affecté. Alors elle a comme affecté la femme à Ethan, et aussi vous allez vous en douter aussi toute la famille aussi, mais ça c'est très loin, mais je pourrais peut-être juste vous le dire quand j'aurai acheté les autres packs avec l'histoire de Zoé. Vous allez pouvoir tout comprendre ce qui s'est passé avec cette petite fille. Aussi ben Ethan, on le contrôle au début, c'est lui que lui aussi va avoir toutes des mésaventures. Et c'est ça. Belle auto, hein, qu'il y a, hein. Je me demande c'est quoi ce marque-là. Non, ça va être ça, ça va être ça, ouais.
Alors, comment dire, soi-disant mon conjoint, mais l'auto à Ethan qu'on utilisait dans ce jeu-là, une Dodge Challenger, je pense, et toute blanche. Mais l'année, je sais pas, ben c'est quoi. On voyait que là-dedans, les sièges étaient en tout brun, hein, c'était tout brun. Belle auto. Ah, ici, vous avez ça, c'est la carte. Ouais, retrouver Mia. Ça, c'est tous les fichiers qu'on peut avoir durant le jeu. Aussi, quand vous pressez la flèche de votre manette de PS4 ou de PS5. Parce que je pense en PS5 aussi, ce jeu-là aussi, c'est ce jeu, je pense que oui. Ben, bon, vous avez les flèches, les petites flèches. Hein. Vous pesez sur la flèche en haut pour avoir votre inventaire, que vous avez des armes comme ça. Ah oui. Le Y, c'est pour voir les objets, ou aussi combiner les choses, ou utiliser des armes. Comme ici, maintenant, on a le genre de message de Mia qui dit ici de Mia Winters, envoyé le mardi 18 juillet 2017 à 23h04 de Ethan Winters de Delville, Louisiane, ferme des Baker, viens me chercher. Ouais, la ferme est corrompue, on va dire. Bon, on continue à commencer à marcher. Des mouches partout. Parce que il y a beaucoup de carcasses qui est à terre ou tout ça, c'est dégueulasse. Je dis, c'est un jeu pas mal glauque. Comment je peux faire ça déjà? Ah oui. Ah oui, pour courir, vous pouvez presser le joystick gauche, comme ça, puis le faire courir. Ah oui, puis si aussi vous pesez sur en bas de votre joystick gauche et B, comme ça, vous pouvez tourner la caméra très vite pour voir pour vous faire attraper de suite vite. Être aux aguets, hein? Ouais, c'est enchaîné. Caravane. Ah, notre premier article. Ah, les sewer getters, c'est eux qui ont fait ils ont fait une vidéo de dedans que on peut la visionner, mais on peut la jouer aussi en même temps. Que c'est trois personnes, trois enquêteurs qui ont commencé à faire une enquête paranormale. Parce que oui, hein, c'est un jeu là, c'est comme du paranormal aussi, hein, c'est des créatures, des affaires là, puis des bébites, puis des esprits, des choses là, hein. Puis ils ont fait une enquête tout ça, fait que vous allez pouvoir le savoir tantôt. Rejoignez-nous. Accepte son don.
aussi, hein, faut vous regarder souvent à terre parce que des fois, là-dedans, ils ont mis des pièces qui s'appellent des pièces antiques. Mais ça, je vais pouvoir vous expliquer tantôt ce que ça sert. Encore des mouches. Ah, la personne que vous venez de voir, c'est Jack Baker. C'est le mari de Marguerite. Et comme je dis, le père à... C'était quoi, mais en tout cas. S'accroupir, c'est avec le joystick droite, puis vous vous accroupissez. Ça, cette maison-là, c'est là-dedans qu'il va se passer des choses. Ah, ça, c'est la sacoche à Mia. Ah, ça a pas mis le conduire. Le permis de conduire de Mia, il est recouvert d'une étrange substance noire. Ouais, cette permis de conduire là, c'est qu'il y a une substance noire dégueulasse. Balançoire. C'est pas pire, elle est encore intacte. Elle est pas vraiment poussée. Là, je vous dis que jouer avec des écouteurs, c'est quelque chose. Parce que là, t'as tous les sons qui sortent, là. Les petits bruits de craquement là, t'sais, qui fait grincer tes dents là. Ça là. Ouais, c'est pas pire, c'est le fun. Ouais, puis c'est pas pire, ça resterait pas pire si tu jouerais dans le noir aussi. Oh! La porte s'est fermée toute seule. Une maison toute pourrie. Ah, vous saviez hein, que si on voulait avoir un succès, c'est d'ouvrir la porte, de la refermer. Ça va pas vous donner un succès. Ça ici, ça va être pour plus tard, c'est de couper avec des cisailles, ça s'appelle. Voyez, hein, c'est... Oh,
C'est comme pas mal glauque. Vous voyez dans l'assiette là, les asticots qui bougent. Ah, ah. Si vous voyez sur cette photo là, je pense que c'est elle là, que je vous parle, la fameuse Evelyne. La photo est comme genre toute noire et toute déchirée, comme brûlée. Ah oui, ça prend quelque chose pour la crocheter. Parce que là-dedans aussi, vous avez besoin aussi des outils pour crocheter des tiroirs ou des petits coffres. Merde, merde. Un cafard. Ah, regardez le frigidaire, il... Oh! Vraiment effect. Plus de 20 ans. Personne... plus de 20 personnes disparues en 2 ans. Eh bien, cette horloge là. Une substance bon. Ça c'est le grenier. Qu'on pourrait y accéder tantôt. Je vais juste vous montrer tout ça, c'était quoi. Ici, c'est ici que vous pouvez enregistrer votre partie. Et voilà la première cassette que vous trouvez. Vous trouvez une télé, puis qui a comme un genre d'enregistreur. Puis vous mettez la cassette dedans et vous l'écoutez. Secondes tout de suite. J'ai sauvegardé la partie. Ça c'est pas super accessible. Tellement pas, vous voyez la poignée hein, est enlevée. En pleine photo. Ça vous voyez c'est Mia. Mais Mia est pas mal... bizarre c'est cette photo là.
si vous mettiez un fusible dans la boîte de dans la boîte. Un autre auto. C'est là que Mia a été calée en ce moment. Embarrée avec une genre de chaîne. Et vous voyez ici, c'est ça, la famille des Baker. Vous voyez, ce sont vraiment toutes bien normales. Jusqu'à temps qu'ils sont fassent corrompus. Il y a déjà la clenchie, on peut ah, je peux déjà la déclencher. Mais non plus. C'est mieux de vous faire regarder la vidéo. Et voilà notre première scène de jouer avec là on va jouer avec Clancy Davis qui s'appelle. Bouh! Où t'as trouvé ce type? Lâche-moi un peu, Pete. Hey, je bosse qu'avec des professionnels. D'ailleurs, arrange-toi pour que le son soit correct cette fois-ci. Je veux pas un remake d'Amarillo. Mec, c'était il y a 2 ans. Je me tape pas le doublage. Oui, il a craché qu'il a. Faut me le ramasser. Le nouveau là, je le sens pas. Encore? Alors sois pas étonné si on doit le virer. Nouveau plan. D'abord on fait un tour à l'intérieur. Et ensuite on tourne l'intro. Comme d'habitude, quoi. Et n'oublie pas de dire le nom de l'émission cette fois, hein. T'inquiète. Ce soir, dans Sewer Gators, un autre trou paumé sans intérêt. Ça te va? Fantastique. Maintenant, on se trouve encore à la baraque de la maison abandonnée. Mais ça, c'était Ava. Ça, c'était Ava. Ok, on y va. Laisse-moi faire. Mais non, c'est pas bloqué. Hein. Toujours un coup de pied dans la porte, ça fait. Hein. Alors, c'est quoi l'histoire aujourd'hui? Tu te prépares jamais. Préparer quoi? Une baraque pourrie, des bruits étranges? Oh, elle est hantée? Quelle merde! J'étais présentateur, moi! Remplaçant le week-end, Pete. Seulement remplaçant. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. C'est quoi l'histoire, André? Une ferme abandonnée, une famille disparue dans des circonstances suspectes. La routine. Tu dis que ça fait combien de temps que la maison est abandonnée? 3 ans. Hey, Clancy, filme un peu ça. Ça peut faire un bon plan de coupe. Vous voyez, là, on va ouvrir ça. Y'a rien. La famille de Pecnot disparaît. Pas des Pecnot. Mais ça concerne. Ça Marguerite Baker. Mais y'a pas encore de. Normal, plutôt possible. Il y a pas mal de rumeurs sur leur fils, Lucas. Lui a mal tourné apparemment. Merde! Je savais que j'aurais pas dû mettre mes chaussures neuves. Oh putain. Heureusement que j'ai fait mes vaccins. Mais bon, ça pourra nous faire un super décor. André, qu'est-ce que t'en dis? André, disparu. André? André? André! Clancy, tu sais où est passé André? Il est où? Putain, j'y crois pas! C'est la dernière fois que je bosse avec ce mec! Eh oui, ça va être la dernière aussi. Un bon caméraman comme toi, Clancy, reste près de moi.
C'était quoi ce truc? T'as entendu? André? Il est où, putain? André, t'es passé où? Je peux pas fermer la porte. C'est quoi ce bordel? C'est pas possible, je rêve. Ok, changement de programme. On trouve André et on se tire. Tant pis pour l'émission. Passe devant. Je veux un plan de moi en train de descendre l'échelle. Donc, passe devant. Comme tu veux. Tu vois quelque chose? Y a quoi en bas? Oh mon Dieu. Ouais. Oh, oh, oh. Ouais, pourquoi qu'elle est tombée comme ça, hein? Parce que, tu sais, l'autre est déjà descendu la première fois. C'est de son tout pourri, fait que. Elle est tombée. Ouais, vous vous souvenez, hein, quand André s'avait tué avec le tuyau. Ouais. Un autre plutôt dégueulasse, hein? Ça vous le savoir, mais c'est, je pense que c'était André. André ou... Non, ou Clancy, je pense. Je sais plus en fait. Non, je pense que c'était Clancy. C'était... Non, c'était...
Oui, tous les mondes disparus. Ça, c'est toutes les personnes qui ont muté puis ont été morts. Comme là, Ben est mort, Harold était a muté, Arthur a muté, Tamara a muté, Craig est mort, Layla est morte, Sean mort, William mort, Travis a muté, Peter mort. Ah oui, ouais, c'était lui qui avait parlé au début, c'était Peter. Après ça, c'est André qui était mort aussi. Puis Clancy, on sait pas. Et si Mia. Mia, ça dit pas bien bien parce que on sait pas, ils savent pas. Heidi a muté, Clyde mort, Lindsay a muté, Steven a muté, Nathaniel mort, Edward mort, Nadine morte, Alex mort. Tom mort, Reed a muté, Suzanne a muté, Joseph est mort, David mort. Ça c'est le coupe, c'est le coupe boulon, mais le coupe chaîne, ça peut couper les chaînes. Mia? Femme. Mia, Dieu merci, tu es vivante. C'est moi, c'est Ethan. Ethan? Ethan? Est-ce que ça va? Tu ne devrais pas être là. Comment ça? C'est toi qui m'as appelé. Non, non, je te le jure. Je l'ai fait. Quelqu'un t'a vu? Est-ce qu'il t'a vu? Il? Qui d'autre est ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Papa va venir. Il faut qu'on parte. Pas. Il faut partir maintenant! On peut pas former. Où est-ce que tu m'emmènes? Quelque part en lieu sûr. Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe? Chérie, t'as disparu depuis 3 ans. 3 ans? Ça fait déjà 3 ans. Ça fait déjà 3 ans. Elle est déjà morte. Mais... elle est pas morte parce que... ils ont mis quelque chose dans son corps pour qu'elle soit comme... une autre personne. C'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pas maintenant. On doit d'abord sortir d'ici. Je crois que c'est par là. Mal dégueulasse. Mia, il faut qu'on parle. Ce message que t'as envoyé. Pas moi. C'était pas moi. Mais tu l'as fait. C'était pas moi. Ok, d'accord. Mais dis-moi ce qui se passe. Je te promets que je te dis tout ce que je sais. On doit passer par là.
Mia, tu es sûre de savoir où tu vas? La famille m'apportait de la nourriture par ici. Je m'en souviens. Il y a une autre porte ici, j'en suis sûre. Mia. On doit sortir d'ici. Reste ici, d'accord? Je vais jeter un œil. La vieille madame qui s'appelle Evelyne, c'est elle, comment dire, la méchante là-dedans, la folle. C'est elle qui a tout corrompu les Baker. Ouais. C'est elle qu'on tue aussi à la fin. Elle est vraiment tough à battre, elle. Vraiment tough. Les figurines, comme ça c'est Evelyn. L'autre, bah, c'est ça, mais bah, c'est Mia. Ah non, t'as plus, non. Non, c'est... Oh, ça c'est Mia. Ça c'est Evelyn. Mia? Je vous dis que les amis, le fun va commencer là. Ça va être quelque chose. Ah, la carte. Vous voyez ici, hein, la place qui est bleue, c'est les places verrouillées. C'était verrouillé, je pense, ou c'était barré. Orange, c'était... Je me rappelle plus déjà ça. J'avais vu sur mon cellulaire, sur un site d'internet, que ça disait que les bleus, ça disait que c'était déverrouillé. Les oranges, c'était barré. Celles qui sont blanches aussi, ben, elles sont accessibles, là, disponibles.
belle la chambre de bain. Hein. Ça ici c'est pour remettre des soins. C'est que quand vous faites attaquer, ben ça peut vous soigner. C'est très utile. Ah, il y en a d'autres ici. Qui cogne, c'est vous allez savoir c'est qui, c'est la fameuse Mia, qui est pas vraiment Mia. Oh, c'est noir. Oh. Vraiment folle. Elle est folle, sa femme. Je peux l'entendre. Je peux la sentir reprendre possession de mon corps. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. J'ai été vilaine. Je mérite ceci. Qu'est-ce que t'es devenue, Mia? C'est guéri. Elle est forte, hein? Pauvre Mia, hein? Oh, ouais. C'est pas encore fini, elle est pas morte encore. Et voilà, qui rentre en scène, la fille de Jack, Zoé. Tu n'aurais pas dû venir ici. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce qui se passe ici? Je m'appelle Zoé. Tu dois pouvoir sortir par le grenier. Le grenier? Vas-y, maintenant. Mia est plus là. Mm-hmm.
On va aller se tailler. Vous voyez, hein? Quand André a ouvert le tiroir, ben ça donne une pièce antique. Qui est cette pièce antique-là? Ben, ça va être disponible beaucoup plus tard. Ah, le plus visible. Oh, on aurait vu Mia. Pin mate. De là sa main, il va pouvoir se la faire recoudre, puis il aura un codex après ça. L'on parle. Bon, d'accord. Vous pouvez aussi, hein, il y a des caisses là-dedans que vous pouvez poser, puis y avoir des munitions ou des choses là.
Plus de munitions, yes. Oh la revoilà. Allez, recharge. Et ça c'est encore Jack Baker. Là, ils sont emmenés dans leur ferme, là, la maison des Baker. Allez, c'est pas le moment de claquer. T'as du pain sur la planche. Ah, ça, c'est la main qu'ils ont récupéré, qu'ils ont remis, puis ils ont attaqué avec un codex. Qu'est-ce qui... Allez, debout, jeune paresseux. C'est l'heure du dîner. Qui êtes-vous? Où est Mia? Mange, c'est bon. C'est pas que Mia garde de la passée, elle est pas les choses. Ça devient lourd, vieux. Pousse-toi de là, Marguerite. Ce garçon doit manger. Il doit prendre son dîner. Allez, mon frère. Allez. Vas-y.
Pas Jack, il mange pas. Ferme la Marguerite. Je prépare ça pour lui. Fous-moi le camp. T'es qu'un petit enfoiré. Oh, j'arrive pas à croire que c'était ça. Il mange pas. C'était censé être un festin très spécial. Allez, fiston. Je parie que c'est encore ce flic. Petit poulet. Bouge pas, je reviens. Ah, mais vous voyez, ça c'était Jack Baker. L'autre c'était sa femme Marguerite. Et ce gars-là qui était. C'était Lucas. Oh. Elle, mais c'est Evelyn. Led, hein? Ouais. Bon, les choses, on peut checker plus tard parce qu'il faut juste qu'on. En premier, qu'on se débarrasse de Jack. Mais d'après ça, on peut refouiller toute la maison au complet. Parce qu'il y a des choses à faire, comme si là vous voyez le clocher, vous mettez quelque chose ici. Oui, les tiroirs, tout ça, tu sais. Comme là aussi, ben, il y a... chose à chercher. Ici, là, de l'herbe. Ça, c'est pour vous guérir, tout ça. La place ici, c'est là pour s'enfuir. Ça, c'est une botte d'Evelyn. Il y a des caisses ici, mais ça c'est avec le couteau. En bas ici, vous avez le garage que plus tard on va y accéder. Puis aussi, il y a un couteau aussi pour couper les rubans pour ouvrir la porte du garage.
Parce que peut-être faut se cacher l'intendant, mais quand il va être là. D'arriver tout de suite, puis de courir pour juste comme aller là, en tour. Oh, il est là. C'est que je vais finir par te trouver, hein? Et quand je te trouverai... Ah ouais, re-rentre là. Comme ça, vous... Tu sais ce qu'on dit? Famille un jour, famille toujours. Pour courir, aller chercher la petite clé. Wow, c'est vraiment l'éclate. Ah oui, vraiment. Ah oui, vraiment. C'est ça. Bien fait. D'accord, puis je sauve de toi. Voilà, c'est ça, il va venir vers 7. Tiens! C'est sans issue, tu sais! Tu pensais nous quitter avant la fin du repas? Ah, vite. Désolé pour le son. Désolé pour le. Que j'ai fait ça parce que. C'est vrai, c'est quelque chose, hein. N'aie pas peur. Oh merde! Oh, comment je vais réparer ça? Go. Go. Vite. Oh, houhou, on a réussi. Une autre pièce antique. Un crochet. Voilà, le fluide chimique c'est pour, si vous je me souviens bien, le fluide chimique c'est le sac jaune avec, si vous avez de l'herbe, vous
pouvez combiner ça pour faire un remède en liquide pour vous guérir. Comment on va faire ça tout de suite? Regardez. Ici, combinaison. Ça referme les plaies et accélère la génération des cellules, restaure partiellement la vie. Fait que là, si vous avez du fluide chimique et l'herbe, vous pouvez faire un remède de premier soin. Vous faites premier ici. Vous faites combiner. Et l'herbe pour faire le remède de premier soin. L'autre carte. Ça ici, ça s'appelle une petite tête qui bouge toute seule, mais ça s'appelle des Mister Everywhere. Ça veut dire que ces statues-là de Bubblehead, ça s'appelle. Si vous en détruisez tout au complet, ben vous pouvez avoir un succès ou. Ouais, c'est un succès, c'est ça. Là, désolé, ça va couper un peu. Je vais juste sauvegarder. Bon. Ici, ils avaient un coffre. Les coffres verts, c'est pour les objets que vous pouvez mettre dans le coffre que vous n'avez pas besoin ou si vous avez besoin. Comme là aussi, vous avez l'arme du début qu'on a tiré sur Mia. Mais là, cette arme-là peut être utile pour aider à tirer sur Jack. Pour se débarrasser de lui et de pouvoir avancer plus loin. Prendre l'arme, la pièce antique, on peut la déposer dans le coffre. Le crochet, il y avait quelque chose à crocheter quelque part. Je sais pas, je m'en rappelle plus. C'est comment dire que quand vous avez crocheté, vous regardez partout pour des tiroirs ou des coffres ou des petites boîtes. Parce qu'il y a des petites boîtes qui sont comme barrées avec un crochet. Ça. Mon arme. J'avais juste 3 balles. Ici, il n'y a pas d'autres munitions. Ça sera pas même efficace contre Jack. Je pense que Jack est parti le bord. Ah oui, un appel de Zoé. Ouais. Zoé, c'est ça? Qui sont ces cinglés? Toi, et écoute bien si tu veux rester en vie. Tu dois sortir de la maison. Il y a peut-être une issue via le hall principal. D'accord. Oh, le truc à ton poignet est un codex. Ne le perds pas, c'est important. Ouais, c'est ça. Mais le codex, c'est quand il est vert. Quand il est vert, ça veut dire que la vie est full pleine. Quand elle est jaune à moitié, ça veut dire qu'il est instable. Puis quand il est rouge, mais il est extrêmement instable, mais faiblement. Ouais. Mmh.
T'es où là? Je te tire dessus. Il n'y avait rien ici. Pas de munitions, non. Ah oui, c'est Jack avec Marguerite. Mais c'est quand même l'anniversaire de mariage de Jack et Marguerite. Ça, c'est l'autre très il est psychopathe lui aussi, là, comme son père. Il s'appelle Lucas. Lucas, février 2013. Ça, c'est Zoé. Vous voyez, il est coupé au couteau. Vous voyez, ça n'est pas apparu, mais c'est Zoé. Mais il est où lui là? Où es-tu, Jack? Ah oui. Il est dans le garage, c'est ça, c'est vrai. Ouvrez! Hey, vous devez m'aider! Du calme, reculez. Bon, vous vivez ici, monsieur? Est-ce que c'est votre maison? Moi, non, non! D'accord. On a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment. Vous comprenez pas! Je dois sortir d'ici! Bon, calmez-vous. Vous m'écoutez pas! Je peux tuer! D'accord, que les choses soient claires. Vous ne semblez pas vraiment être en position de force, là, ok? C'est une blague! Écoutez, comme je vous ai dit, on a plusieurs cas de disparition. Et rien ne me prouve qu'un étranger comme vous n'est pas impliqué là-dedans. Très bien. Je vous dirai ce que vous voulez. Bien, je préfère ça. Allez, retrouvez-moi dans le garage. On discutera là-bas. Hé, hey, attendez! J'ai besoin de votre arme. Vous devez être tombé sur la tête. Écoutez, monsieur l'agent. Shérif adjoint. Ok, monsieur l'adjoint. Vous voulez voir mon nom dans la rubrique nécrologique? Ou vous voulez être un héros et me sauver la vie? Un simple couteau de poche? Allez, prenez-le. C'est tout ce que vous aurez. Maintenant, au garage. C'est un ordre. Que je vais faire d'un couteau? C'est vrai que oui, c'est vrai que je me souviens qu'on peut être tranquille parce que là, Jack il est dans le garage, mais on peut être tranquille pour un bout là. Là de là, ben. Fouiller la maison, voir les munitions, des choses là. Même vous expliquer d'autres choses aussi. Mmh. Ah. C'était tout ce qu'il avait acheté, la scie. 24 piastres. La corde 34 et 79 et un collier de chien 11 et 99.
Total de 22,6, total de 586 events, il va dire. Le secret de l'abîme, Clive Harper O'Brien. Trois explorateurs urbains disparus. Les autorités lancent un appel à témoins afin de retrouver la trace de trois hommes venant de la Nouvelle-Orléans. Disparus après s'être rendus à la paroisse de Dulvé le 9 de ce mois. Les trois hommes, Peter Walken, André Stickland et Clancy Javis, sont connus sur internet pour leur vidéo tournée dans des bâtiments abandonnés et des maisons prétendument hantées. Ouais, mais c'est les trois hommes qu'eux avaient fait un genre de vidéo, un genre d'enquête de paranormal pour la maison hantée. Ah, voilà au garage. Ouais, c'est là qu'au garage, ça se continue avec Ethan et Jack. Hey, on doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul au milieu de la nuit. Moi ? Et vous alors ? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais le croire. Oh. Hé, hey, remontez cette porte. Remontez cette porte. Qu'est-ce que vous faites? Saloperie. Je vais tous vous tuer. Ben oui. C'est fini, gamin. Il y a la clé déjà. On est ici. Tu fais partie de la famille maintenant. Ah, rêve toujours. Ah oui. Ah merde.
Non. Ah, on va recommencer. j'ai pas été assez vite. On doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul, au milieu de la nuit. Moi ? Et vous alors ? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Hé ! Remontez cette porte ! Remontez cette porte ! Qu'est-ce que vous faites ? Hey, prends ça, mon esti. Bah bon. Finissons-en, toi et moi. Allez, je vais t'emmener faire un petit tour. Non. Ouh. Tu vas voir quelque chose de magnifique. Oh fuck. Putain. Ah, parce qu'il est mort, il est pas mort encore. Pauvre officier, hein. Quoi?
J'ai un tour de fusil, mais ça c'est pour le shotgun. Non, on peut aller à la grande porte. Mon père t'a donné du fil à retordre? C'est ton père? Il l'a été. Je suis désolé, mais il est mort maintenant. Tu peux peut-être y arriver, en fait. Quoi? Arriver à quoi? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il te faudra des sortes de clés pour ça, et tu dois sortir d'ici. Ok. Je te rappellerai. Ah, mais les fameuses clés, c'est les trois têtes de Cerbère que vous voyez ici. Là. Il en faut trois. Et aussi, il y a des sortes de clés aussi à avoir aussi. Il y a des clés qui s'appellent Scorpion, des clés aussi Serpent et des clés aussi Corbeau. Vous voyez la pendule là, c'est la pendule de l'horloge pour la maison là, le jeu de l'autre pendule là. Alors, si vous voulez avoir un succès avec la statuette, il y a des statuettes dedans à mettre aussi. C'est pour avoir des passages. Comme il y en a un que c'est avec des aigles et un autre avec un araignée. Mais celle-là aussi, si vous voulez avoir un succès, vous pouvez mettre un objet, n'importe quoi. Ça va être drôle. Que ça va être comme genre, mettons. C'est pas vraiment ça, mais ça va faire un genre de succès. Même si vous avez, vous voyez, hein. Il y a un autre, c'est en plus de living room. Moi je l'ai fait, mais bon, je savais de le faire. Et aussi, ben, avec le fluide chimique et avec la poudre noire, ben, vous pouvez faire aussi des munitions pour vos pistolets. Fait que quand vous le faites, mais aussi ça rajoute avec les combinaisons. On a deux combinaisons, celle avec l'herbe et
Le poudre à canon. Ici, vous voyez, c'est un vrai shotgun. Mais il faut avoir un faux shotgun pour le mettre ici, pour avoir le vieux. Parce que shotgun, très pratique. C'est pratique pour tuer Marguerite. Et c'est Evelyn. Oui, Evelyn de mai 2014. Vous voyez ici un serpent dessus, mais ça prend une clé serpent. Encore la Evelyn. Eh oui, vous voyez ici, ça, c'est Marguerite. Vraiment folle. Puis, comment dire, elle est vraiment tough à battre, c'est quelque chose. La caravane, c'est là que vous allez pour c'est là que je pourrais vous expliquer pour les pièces antiques. Pas les coffres, mais c'est comme genre des petites boîtes à outils là. Il y a des munitions aux affaires là, ces choses là. Et la deuxième cassette pour Mia. Là-dedans aussi, il faut qu'on se sauve de Marguerite et de pas se faire avoir. Si vous réussissez à pas vous faire attraper par Marguerite, mais vous avez pu avoir succès. Ethan, si tu trouves ceci, je sais que je ne peux rien attendre de toi. Pas après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Mais je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà. Nous étions très inquiets, jeune fille. Mmh.
la laisser m'attraper à nouveau. Il faut que je me cache. Pourquoi est-ce que tu me fais subir tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? À part t'ouvrir ma maison et te nourrir. Je ne te comprends pas du tout. C'est un don. Je sais que vous complotez avec Zoé. Je sais que vous mijotez quelque chose. Tu crois que je ne sais pas ce que tu veux faire avec cet Ethan? Non, ne viens pas par ici. Je te jetterai en pâture à mes bébés et je fertiliserai le jardin avec les restes. Non. Nous t'ouvrons notre maison. Nous t'ouvrons nos cœurs. Et toi, que fais-tu? Là, vous voyez, c'est le lance-flamme qui va se servir après. Comme vous voyez ici, c'est une production à faire.
Oh, voilà. Elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Toi, toi, tout ce que tu dois faire, c'est accepter son satané don. Oui, ça c'est Mia et Evelyn. Où crois-tu aller comme ça? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mia? Et vous voyez, hein, que... Margaret, c'est une série. Regardez, c'est ce qu'on va avoir après ça quand Ethan va aller dans la chambre de bain. On va voir... Jack arriver. C'est celui qui arrive. Ça, ça devrait être. Ah oui, c'est là. Ça surprend, tu trouves pas? Encore plus fort que la mort.
Ma petite fille nous a donné un don. Et ce don est avec moi en permanence. Comme tu peux le voir, la famille n'est qu'une partie de son don. En un mot commençant... T'es foutu! Bon, c'est temps de s'enfuir. D'aller occuper la statuette en bas. De l'herbe. Encore 2-7, correct. Émission. Déjà assez. C'est là que le fun commence aussi encore. Mais là, il y a des créatures qui vont sortir d'ici. Alors, comme vous voyez, ça. Le moyen, c'est de retirer dans la tête. C'est leur moyen faible qui peuvent mourir. C'est de leur tirer couteau. Et voilà. Leur tirer dans. Leur couper la tête.
Pas fini, y en a d'autres. Ah, après un autre crochet. Bon, les affaires que je peux mettre là-dedans, comme la cassette, je peux mettre celle-ci. Les pièces antiques là-dedans. Ça aussi, pour plus tard, quand on sera débarrassé de Jack. C'est tout. Courtney, ces enfoirés sont en maîtresse, mais peut-être que ça te donnera une chance de sauver ta peau. Il faut absolument que tu trouves la tête de chien sculptée qu'ils utilisent comme clé. J'en ai vu une dans la salle de dissection au sous-sol. Mets la main dessus, c'est le seul moyen de t'échapper. Ouais, la première tête est dans la salle de dissection. Désolé, ça va couper les amis. Il y en a un qui sort de ses doigts. Il y en a un qui sort de ses doigts. Suicide. Ouais. Ouais. Il va en avoir un autre. Ben, vous l'avez entendu, hein? Lucas, j'ai attrapé le type qui passe en son temps à essayer de s'enfuir.
Je l'ai enfermé dans l'incinérateur tout à gauche pour qu'il ne puisse plus s'échapper. Charge-toi de lui quand il sera prêt. Tu te souviens comment ouvrir la porte, n'est-ce pas? Retiens ça. 3A et une empreinte de main. Fais ce que tu veux de la fille. Donc 3A. Fait que. La combinaison, hein, c'était. Lara. Non, Lara, c'est 2A. Ici, après ça, c'était. C'était Sean. Et la main. Non, c'est pas ça. Ça. En 3A. Puis une main. Tu m'avoir. Ah, on va avoir. Oh. Là, ça va faire là. Hein? Et voilà la clé de scorpion. Si vous avez, il y a plein d'affaires là.
Je vous dis, la photo du trésor, on va attendre de la récupérer quand la clé scorpion a été utilisée. Parce que là, il y a beaucoup de place. Mais comment qu'elle va avoir beaucoup de place à avoir aussi un sac que vous pouvez transporter plus de choses. Ça va du chimique fort. Ça, les psychostimulants, c'est pour déceler les objets qui restent à voir, qui peut vous aider à... que vous savez pas c'est où. Je sais qu'une créature va sortir d'ici. Dread en haut. Eh! Elle est quand même forte cette arme là. Ah ouais. Ah fuck. Venez. Ah, fuck. T'es où? Ah. C'est pas passé. Hey. Ça va du bien ça?
T'es chanceux là. Ah oui. Eh. Aïe. On a ceci. De là. Ow. Oh oui. Le chimique fort. Je peux rien faire avec ça. Ça c'est la tête de chien à avoir. Oh. Il a accroché le mur. J'allais être son père. Mais maintenant elle c'est lui qui sera son père. Non. Je vais le trouver. Et je vais le faire souffrir. Et toi mon pote, tu vas m'aider.
Ouais, je le dis comme je le dis mes amis, hein, dès que je vais avoir fini avec Jack. Et il n'y aurait plus personne dans cette maison-là, tout ça, ben je vais finir ma vidéo. Mais après ça, je ferai une deuxième partie de Resident Evil, là, une autre soirée. Mais là, je vais, comme je vous dis, je vais en finir avec Jack et pour ça, je vous laisse. Vous voyez, le chimique fort, c'est pour. Si on fait ça, là vous voyez, on a un nouveau. Combinaison. Si vous avez le chimique fort avec de l'herbe, ben ça peut faire un remède fort que ça peut vous remettre votre vie ben beaucoup au complet. Et puis bien ici. C'est ici que le combat va se passer avec Ethan et Jack. Le pauvre. Lui, il commence à muter. Juste avant de commencer à prendre la tête du chien, où je trouve d'autres choses, je pense qu'il y a de l'herbe en bas. Ah, pour le canon. C'est parce que ça, si vous le mettez, si vous me, si vous faisiez du, oh non, ça c'est le chimique jaune. Si vous mettez le chimique rouge fort avec des pots de canon, là votre arme va être plus fort, puis je pense qu'aussi il peut tirer, puis ça peut faire un one shot ou quelque chose comme ça. Tu ne peux pas t'échapper. Ow.
jouer. Ça c'est un garçon intelligent. Et mon asti. Ah ouais, Zorbo, toi tu vas crever. Ouais. Tu vas crever ici. Sois sympa. Évite de ressusciter. Ouais, ben pas pour là, mais ça va être encore plus long, mais après ça, ben, il va revenir plus à la fin. C'est pas parce que là-dedans vous pouvez pas vraiment garder la tronçonneuse. Ça c'est vraiment pratique, mais on peut pas. Ugh.
je vais juste aller sauvegarder. Il doit encore des monstres à tuer là. Je sais qu'il en restait. Il en restait dessus, je pense que c'était. C'était où? Non, je pense que le compte était bon. Ah, c'est qui chante de même, hein? C'est elle qui chantait. Vieille. Vieille calice, qu'on pourrait dire. Ah, sauvegardez ça. Ah, la clique de scorpion m'a tout de suite mis ça dedans. Ça à garder ça parce que on a besoin pour bon. Une autre vidéo prochainement. Sauvegarder. Et voilà! Alors, c'est ça, je vous dis que quand j'aurai fini avec Jack, je vous laisserai parce que. Je vais continuer avec d'autres contenus hein, de ce jeu-là. Une deuxième partie, comme je vous ai dit une autre fois, que la deuxième partie, ça va être Marguerite. Oui, se débarrasser de Marguerite. Alors, un énorme merci beaucoup d'avoir regardé mon direct sur Resident Evil Biohazard. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu, et aussi... Quand vous aurez regardé la vidéo, peut-être me laisser un commentaire si vous voulez, tout ça, je regarderai une autre fois. Si vous avez beaucoup aimé, ou, dites-moi vos beaux commentaires. Alors, sur ça, merci énormément. Et pour une autre suite de Resident Evil Biohazard. Salut tout le monde!